Congoli Panda. Oh, Congoli Panda. Congoli Panda. C'est toi qui as amour, Congo. Jimmy a choqué. Azeli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Congo Congo Lipanda Azeli libango Congo Lipanda Peninga Pona kuyeba histoire ya Congo Landa Congo Lipanda Peuple congolais, bah, yumbuka baye, mbuka ou, la misana ou la nabiso, la tende ite, te le lopa ya président bienvenu Bambale na bureau na ye, ya MJC, tout moni président bienvenu Bambale azo le kanaba ite, tende ite, tout la ki dernièrement na RTJ, et pa yopi débat, et nous mwama kina ba yumbuka majorité présidentielle, si radioption en loi électorale, a on a katia pays, opposition, Mobimba, va projeter le sous-marche le 19 décembre 2017, oyo, et go souka wapi, par rapport ya processus électoral, par rapport ya fin et enrôlement na Kasai, te yopi président bienvenu Bambale yalo bakana motema na Mobimba yango bo sengaki ye toye vraiment awa na bureau na ye kozoye en show en live par rapport ya actualité politique o ezole kana kati amboka na biso président bienvenu Bambale bonjour cher ami bienvenu tout le plaisir est pour nous hein ya yambo le susu de l'eau merci président bienvenu Bambale le 28 le 30 et l'équipe opposition rassemblement ba sala qui marche mais tout le monde a tiamo ici m'habiter dans toute province à Kinshasa et puis dans la République démocratique du Congo. Awa, c'est que l'opposition de Mobimba Basanaï, dans le démarche le 19 décembre, point de vue d'abord de Yumoko, étant caractère politique, et point de vue à partir MJC. En tout cas, pour ma part, il faut appeler un chat un chat. Je suis membre du Rassemblement. J'ai quitté depuis le 7 décembre. J'aurais voulu peut-être, par la même occasion, interpeller mon ami Laurent. Je pense que notre papa est mort, père son âme. Lui doit, je dirais, améliorer, bien au pire des cas, changer, je dirais, sa stratégie. Il ne doit pas continuer la même stratégie qu'auparavant, c'est très bien. Le marche, le ville mort, c'est très bien, ça paye. Mais ça paye tout petit. Alors le Congolo aujourd'hui, il n'a plus beaucoup de temps. Alors ce qu'on n'a pas pu faire, je pense, le 19 décembre passé, puisque papa n'a pas voulu peut-être que les gens aillent dans la rue, pour réclamer leurs droits, papa n'est plus. Là, nous sommes entre nous, ban à la ban. Donc, étant que le nouveau général, étant que le nouveau chef d'état-major, il faut que Azouaba engagement aille. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, le peuple congolais porte beaucoup d'espoir dans ses grands partis. IDPS, Rassemblement, donc il y a beaucoup d'espoir. Donc, ils pensent qu'ils sont censés à libérer un peuple. Mais pour libérer un peuple, on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Mais tant dans la façon dont eux veulent commencer et continuer à faire des choses, j'ai craint que Kabila partira pas. J'ai craint que le 31 décembre, et les Kalamou Pessous. Parce que déjà, ils ont commencé à parler très souvent de Simon sans Kabila. C'est comme si déjà, ils ont ouvert notre paragraphe. Donc c'est le 31 décembre, ils ont une homoroté. Donc ils pensent peut-être amener les gens en disant, voilà, transition de 6 mois. Alors dans ces cas, je dirais clairement que vous mettez de côté l'accord de Saint-Sylvestre. Alors j'aurais voulu plutôt que qui se focalise d'abord sur l'accord, qui dit que le 31 décembre, tout pouvoir tombe Kadik. Là, il faut que lui, étant que nouveau chef, état-major, nouveau général, qui monte au créneau, qui sort ses troupes, qui sort le peuple, qu'il aille chercher les choses. Là, il pourra prétendre libérer le Congo. Mais si seulement on va avec des marches, c'est bien beau, ça marchera. Mais je suis l'homme du terrain. Je sais bien qu'il ne va pas y arriver en face. Vous avez un mec qui est arrivé avec des bottes en caoutchouc, c'est un militaire. Donc lui, ces marches-là, il n'a rien à foutre de ça. Il faut aller au contact. Sinon, il ne partira pas, Kabila. Très bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a beaucoup de choses. Tout ça, il y a un bureau, il y a un président bienvenu, Bambale. J'espère qu'il y a à répondre. Par rapport à marche, opposition, INC, MLC, rassemblement, il y a un peu de temps. Il y a marche sous le 19 décembre. Mon amour, bienvenue, Bambale, à l'lobby. C'est bien bon. Marcher ça, maman. C'est pour quelle finalité? Est-ce que marche, c'est que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a dit qu'il y a un peu de temps par rapport à Mikolo Zalikoya. Président, bienvenue, Bambale, de l'eau congrès, ça, la mine à Katia IDPS. Mon amour, Bruno Tshiba, la première ministre, a succédé. Na président Etienne Tshisekedi ya Mulumba par rapport ya Congo et Salama dit tout le monde division et Salama na carte IDPS Kabundu à Kabundu secrétaire général IDPS à Tindeli
le président, pardon, ministre intérieur, lettre par rapport à désordre et au salama. Point de vue d'abord, il y a eu autant que les Congolais, et puis par rapport à la grande partie de l'opposition au IDPS et continue à Mélinam-Bilalé. Bon, en tout cas, c'est vrai. Il faut appeler un chat un chat. Je ne suis pas porte-parole de l'IDPS, et je ne vais plus parler tant que j'irai ancien combattant. Donc aujourd'hui, je pense que M. Tshibala, si aujourd'hui son congrès, on l'a attribué ce poste de président, c'est très bien. Mais d'un coup, c'est l'occasion pour que le peuple congolais puisse la destituer, parce qu'aujourd'hui, il est premier ministre. Selon la loi, selon la constitution, on ne peut pas être premier ministre dans un gouvernement et puis être président d'un parti politique. Donc là, il faut que le Congolais monte au chrono. La constitution ne permet pas. Moi, aujourd'hui, je suis président de mon parti. Si demain, j'ai un poste au ministère quelque part, je vais quitter le président de mon parti. Il est premier ministre de notre pays. Il ne peut pas être président d'un parti politique. Donc, du coup, il faut que, automatiquement, le président Kabila demande sa démission. Mais le peuple congolais, on oblige à démission. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas être premier ministre et puis président d'un parti politique. La constitution ne le permet pas. Alors, je me dis, sur quelle république donc nous sommes aujourd'hui? Alors, sans ça, plutôt, en plus, nous avons aujourd'hui un premier ministre qui est en liberté provisoire. Quand on est en liberté provisoire, on ne peut pas exercer un métier d'État. On est soi-disant un prétendu, quelqu'un qu'on peut arrêter. Devant un premier ministre en liberté provisoire, devant un premier ministre qui devient président d'un parti politique. Alors je vous dirais clairement que ces choses-là ne collent pas. Il faut bien qu'il puisse démissionner sur l'un des postes. Donc je pense que IDPS limité, il doit porter plainte. Donc il faut qu'il fasse un choix, ou il reste Premier ministre, ou bien il faut qu'il démissionne en tant que Premier ministre pour qu'il devienne président de IDPS. Puis, bon, même pour lancer ses congrès, sur quelle qualité? Il n'était pas, CG en fonction, il était déjà, dénué de ses fonctions. Bon, bref, donc au Congo c'est un peu... Les ridicules ne tuent pas. Peuple congolais, peuple du monde entier, l'actualité oblige, les lois dans le Congo et les lois sont divisées, classe politique, les lois, loi électorale, adoption, il y a loi électorale, OEC, l'équipe d'Assemblée nationale, OEC, comme il n'y a pas, il y a un sénateur, un sage, il y a un beau cannabis. Tomoni, loi électorale, ils ont fait ça milinga milinga. D'abord, par rapport à la contrainte, où il y a une publication, il y a un calendrier électoral, les lois électorales, le président bienvenu, Babalé Toulandi, on avait été en débat, ma casse. Surtout dernière émission tu vois ça en RTGA par rapport à l'électorat qui sont les côtés positifs et les côtés négatifs il y a l'électorat pour ma part il n'y a pas de côté positif, tout est négatif. Tout simplement notre constitution a prédit l'article 5-6 la création des partis politiques par quiconque. Aujourd'hui le peuple perdait et consciemment qui devient consciemment qui devient aujourd'hui un parti état. Avec ces lois là ils verrouillent tout. Demain, vous, avec la bonne volonté que vous avez, ou bien les études que vous avez faites, ou même pas demain, c'est prétendre d'être député quelque part. Parce que ces seuils, 3%, 1%, tout ça, c'est énorme. National et puis ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est mettre les sérieux avant le bœuf. Alors, j'aurais voulu aussi peut-être pour eux le fait qu'il y a plus de 700 partis politiques. Mais c'est eux qui sont responsables. C'est eux qui sont au niveau du ministère. Ils ont vu toutes ces créations de 1 jusqu'à 200, jusqu'à 300, 400, 500, 700. À chaque création de parti politique, on paye plus de 5 000 $. Donc d'un coup, ils ont volé les gens. Ils ont laissé les gens payer plus de 5 000 $ pour création de parti politique. 5 000 fois 700. Et puis à la fin, pour qu'ils viennent maintenant chercher des moyens pour vous tuer. Et comme je dis, c'est comme l'histoire des passeports. Mon passeport était encore valable jusqu'en 2020. Il sort en loi pour dire qu'il faut acheter d'autres passeports. C'est du vol. Alors d'un côté aussi, c'est eux qui dédoublent des partis politiques. Mais pas des gens qui ont des partis politiques, ce sont des gens qui sont autour d'eux. Donc on a un pouvoir en place, ils essaient d'exister par de mécanismes mais qui ne sont pas catholiques. C'est, vraiment c'est l'intelligence au service des mâles. Et comme le peuple congolais c'est vrai, il ne suit pas beaucoup, il ne lit pas beaucoup, ben, il dupe les gens. Donc ces lois-là pour ma part, je ne suis pas député, il faut que le peuple congolais s'élève aujourd'hui. C'est un droit de tout un peuple de choisir qui il veut. Le pouvoir ce n'est pas seulement l'apanage des gens riches. Ou de futur papa, il ne faut pas que ça devienne héréditaire. N'importe qui demain peut s'élever, un maître, un professeur, tiens, je vais servir mon pays sans argent.
L'argent, ça vient après. Aujourd'hui, le plus important, pour nous qui vivons de l'autre côté, on dit, c'est les valeurs fondamentales de l'homme. Est-ce que c'est normal aujourd'hui, lorsque dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons 700 partis politiques? Mais je dis les 700 partis politiques en question, c'est eux qui ont permis cela. Si peut-être ils ont voulu peut-être éviter cela, dans ce cas, ils pourraient, je dirais, endurcir les conditions de création. Ça veut dire peut-être avant de lancer un parti politique, il faut déjà peut-être avoir un siège ou peut-être 10 000 membres. Pourquoi pas pour renforcer, pour éviter que les gens puissent avoir l'agrément. Mais aujourd'hui, à la création, c'est tout est facile. Vous payez, vous avez votre parti. Maintenant, si vous émergez, c'est très bien. Si vous émergez pas, ils s'en fichent. Maintenant, le fait de vous laisser créer, payer l'argent et vous faire tuer, mais indirectement, là, moi, je dis, c'est pas correct. Dans ce cas, il faut qu'ils remboursent les gens, parce que les gens aujourd'hui, si c'est parti aujourd'hui, les grands partis que tout le monde en parle, ils avaient des projets de société émergents pour la population, tout ça, humanitaire. On pourrait les laisser vivre. On ne peut pas revenir en disant que oui, comme les États-Unis, mais le Congo a quoi? À 57 ans d'indépendance. Démocratie, entre parenthèses, 2001. Donc, tout le monde gêne la démocratie. Il faut laisser les gens faire leurs erreurs. Les erreurs, c'est bien. C'est pas mauvais. Donc aujourd'hui, je pense que ces lois-là empêchent les gens d'émerger, empêchent les gens de bonnes idées peut-être de faire mieux qu'eux. Et ils sont là, ils sont en cours d'idées. Ce sont des grands partis, mais avec l'argent de la République, nous, qu'ils essaient d'émerger. Alors ils veulent maintenant empêcher les petits qui ont les idées peut-être nobles, mieux qu'eux, d'avancer et puis de les mettre dehors. Tozo a assisté, on a fait un enrôlement à Kassai. En attendant, diaspora, on a nous payé Babangui en enrôlement. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a aussi inauguré le bâtiment, il y a hôtel du gouvernement où ils vendent le menu triomphal. Point de vue d'abord par rapport à l'inauguration, où au moins Mboka, Joseph Kabila Kabange, a aussi par rapport à l'inauguration du bâtiment où il y a mon aîné, il y a gouvernement, il y a Bounotchi, il y a un peu siégé. Monsieur, il faut appeler un chat un chat. Ces bâtiments-là, c'est un don de la République chinoise. C'était pour que ce soit un musée. Ce n'était pas un bâtiment de gouvernement, monsieur. C'était pour un musée. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui ont construit. Ils ont construit pour eux. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un musée. C'était pour qu'on voit comme un musée, au moins des statues, des tableaux. C'était pour ça. Ils ont détourné la chose, le faire en bâtiment. Est-ce que c'est une avancée sur le plan, il y a modernisation, il y a révolution, il y a mais ce n'est pas le gouvernement qui l'a construit, monsieur. Il ne faut pas confondre les choses. Quand c'est le gouvernement qui construit, lui, ça rentre dans leur projet, c'est pas eux, c'est l'État chinois qui ont construit, avec leur propre argent. C'est un don, c'est un cadeau. Moi, je vous donne mon cadeau, je vous donne un cadeau. C'est pas vous qui avez payé, je dirais, c'est quand même, je dirais, le propriétaire, c'est moi qui l'a donné. Quand on parle, le bilan du chef de l'État, son projet, si c'est lui qui avait donné les moyens pour construire, c'est pas lui qui a construit. C'est l'État chinois. De A jusqu'à Z. Là, je pèse mes mots, j'assume mes mots. Ces bâtiments-là, c'est un don de la République chinoise. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui a construit avec un centime. On n'a sorti rien du tout. C'était prévu d'avoir que ce soit un musée. Des musées, ils l'ont transformé en un bâtiment gouvernemental. Ben, c'est leur problème, parce qu'aujourd'hui, il manque de bâtiments. Mais à la base, c'était un projet pour un musée. Et donné gratuit pour, je dirais, un gouvernement chinois. Maintenant, pour revenir à l'enrôlement de la diaspora, je suis encore, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais, il veut gagner le temps. Aujourd'hui, Nanga qui nous parle des 504 jours, 304 jours, les élections le 23 décembre, mais sans compter, il dit voilà, si j'ai ça et ça et ça, si je passe ça, on n'aura pas élection. Aujourd'hui, aller prétendre faire l'enrôlement aux 5 continents de la diaspora, c'est l'utopie. Ils veulent gagner le temps. Nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup. Donc il ne saura pas nous suivre dans les 5 continents pour nous enrôler. Donc tout ça, c'est pour tirer à la longueur de choses. Pendant ça là, si on ne finit pas la diaspora, il n'y aura pas l'élection. Et moi, je voulais tant que fils la diaspora, bientôt le jour à venir, lancer des pétitions, de façon que nous, la diaspora, nous puissions c'est désister de notre droit de l'enrôlement pour permettre les élections d'avoir lieu rapidement. Si on veut se faire enrôler, ils vont tirer à la longueur la chose. D'aujourd'hui, ils manquent des stratégies. Ils veulent profiter des malheurs des uns pour faire leur bonheur. Donc aujourd'hui, l'enrôlement de la diaspora, ça ne sert à rien. En 2006, on n'a pas été enrôlé, il y a eu des élections. En 2011 également, pourquoi maintenant ils girent sur nous? Est-ce que quand on regarde bien dans la diaspora, combien de gens qui pourra voter le gouvernement en place? Sur 100 Congolais, peut-être il y aura 20 voix. Tu
pense que moi, les 20 voix, là, ça les intéresse. Non, monsieur, c'est bien aujourd'hui la diaspora, c'est eux qui sont à la base de leurs problèmes. La diaspora n'aime pas ces pouvoirs en place, donc du coup, la diaspora ne portera pas de voix au pouvoir en place. C'est plus pour l'opposition, mais c'était très bien. Mais aujourd'hui, si c'était un pouvoir qui voulait faire les élections en temps et à l'heure, donc nos voix ne vont pas les apporter. Mettons ceux qui veulent tirer à la longueur le temps d'enrôlement. Donc on doit le stopper. On a tous dans l'intelligence. La réflexion, on sait le faire. Merci. En tout cas, dans la dernière semaine, pour toi aussi, de sa année 2017, tout compte en 2018, le peuple congolais a traversé le moment en dernier. Et puis, dernière question, point de vue à MJC et puis à mon ambo qui a bien venu m'emballer sur la machine à voter. Alors, ces machines-là, c'est aussi pour ma part un piège à con, puisque c'est une machine aujourd'hui qui est prédite pour faire vraiment une tricherie à la grande échelle. Sans oublier qu'aujourd'hui, ces machines-là, on ne connaît pas le prix de ces machines. Et puis nous avons un problème très sérieux, le délestage. Il faut peut-être acheter ces machines-là, il faut penser à avoir des groupes électrogènes, il faut penser à avoir des consommables, l'encre. Et puis le Congo, ce n'est pas encore un pays qui est avancé. Nous avons nos mamans qui sont un peu analphabètes. Comment ils vont aller voter tout seul? Ça veut dire que le côté secret des votes en question va disparaître. Donc beaucoup de gens vont être assistés. Maman, finir. Donc du coup, encore ce bango a fini à prendre nous sous comme nous. Donc, ces machines-là, nous qui vivons encore en Europe, là où c'est fabriqué, ils n'en veulent pas. Pourquoi nous en Afrique, nous sommes encore loin, j'irais technologiquement, on va gérer sur ça. C'est pour favoriser vraiment la tricherie. Donc, c'est pas une avancée sur le plan technologique. Ah non, monsieur. Macron a été voté ici il n'y a pas longtemps. La France, ils ont fait une vote à voter avec des kits simples. Hein. Ça devient moins cher quand on parle faire les économies, monsieur. C'est une bague. C'est quoi? C'est comme ça? Excuse-moi, c'est un concubine. On dit à voter. C'est tout. Alors maintenant, la machine, c'est là, un ordinateur. Il faut brancher avec des processus à l'intérieur. C'est plus cher que gérer un poubelle vide. À quelle économie? Il parle des papiers, monsieur. Les papiers, même 10 tonnes de papiers. Les papiers, comment ça s'appelle? Quand vous payez des papiers, c'est facturé dégressivement. Si j'achète 10 papiers par exemple, il y a un prix. Mais quand j'achète 100, c'est moins cher. Aujourd'hui, nos papiers, on peut acheter nos papiers, on a l'hôtel des monnaies ici, pour nous faire des bulletins. Ça devient moins cher. Les papiers, ça coûte rien le papier. Alors, sachant que le papier est sans imprimante, parce que la machine, il faut l'imprimante, il faut l'encre, monsieur. Je suis dans j'ai des entreprises. Hein. Quand on imprime un papier, on va l'enregistrer et puis sans oublier, il faut penser à avoir les satellites, il faut créer un data center, là où toutes les données vont être stockées, il faut créer une voie, il faut des câbles optiques, puisque toutes les données, quand quelqu'un vote là-bas, ça soit enregistré dans le data center, il faut des antennes satellites. Alors ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils sont fous ces gens. Ils font les gens pour de con. Alors un truc comme ça simple, une poubelle, je dirais, avec un couvercle à voter, c'est des caisses vides, c'est des coques factices. Ça ne coûte rien. On achète seulement des papiers. Maintenant, si on a, même si on a 700 candidats, monsieur, c'est des papiers, monsieur. Ça ne coûte rien. Après, on va le brûler, ou bien les recycler. Mais les machines, après les élections, on veut faire quoi avec ça? C'est isogénique, ces machines-là. Quand on va faire ces votes, on va le garder pour... Non, monsieur, c'est n'importe quoi. Malheureusement, nous manquons la réflexion au Congo et puis prendre les gens pour des cons, ces gens. Très bien. Je traîne la deux semaines, côte à côte en 2018. Peuple congolais a traversé le moment de et puis point de vue, on tire l'article 64 de la Constitution avant le grand plateau. Il y a une mission de Rosa la Calamine. J'interpelle le grand parti, aujourd'hui, le Rassemblement, l'INC, MLC, j'ai vu qu'ils ont fait un front ensemble, ils ont fait un front commun. Ils sont grands, il faut qu'ils montrent de quoi ils sont capables. Le peuple congolais croit à eux. Ils ont des pneus sur rue, ils sont là, ça fait longtemps. Ils ont été dans ces dialogues-là, ils ont été dipés. Donc ce sont aujourd'hui les gens qui ont un monopole de réclamer l'arc du. Donc nous, MVC, petit parti, hommes du terrain, on le dit, monsieur, vous avez l'obligation de passer devant le 31 décembre pour libérer un peu. Parce que le peuple congolais porte nos espoirs sur vous. Toute une année, vous avez fait des menaces par-ci, par-là. Moi, je vois
Rassemblement UDPS, MLC, INC, le 30 décembre, cette fois-ci faire partie de Kabila. Que ce soit plus seulement des menaces en l'heure. Oh, Tolobé et Kakao, il va marcher sur nos cadavres. Cette fois-ci, il faut qu'il marche sur nos cadavres. Si vous avez dans le pantalon, si vous êtes moi des leaders, si vous n'arrivez pas à le faire, ça veut dire bien des choses. Vous êtes dans les capacités de les libérer un peu, ou bien vous êtes dans la complicité. On ne peut pas comprendre que vous êtes des grands partis, vous menez un combat, mais qui ne porte pas des résultats. Donc moi, je me dis, monsieur, je vous dis, vos menaces, vos ultimatums, passez à l'action le 30 décembre. Et si vous n'arrivez pas à le faire, donc là, le peuple congolais, il vous jugerait par là, en disant que oui, voilà tous ces grands partis aujourd'hui, avec tous ces grands leaders qui se prétendent, ils sont dans l'incapacité. Si vous n'arrivez pas à le faire, le 30 décembre, là, peut-être, nous, les petits que vous voyez là, dans le jour qui va suivre, on va faire le travail. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. C'était avec une grande plaisir. Il y a quoi, il y a un bureau, il y a mon amour, bienvenue dans Bali, il y a quoi, tout n'est mis tout n'a, pour nos peuples congolais. Numéro, on a mis sur Zali 089 00 60 149. 089 00 60 149. Vous en avez Turquie, Londres, Paris, Belgique, Angleterre. Chaîne Nabino Yango et au Congo Libanda. RTMV et pas à mon condinabiso Jimmy à Joki et pas à Piazali, merveille à Zali na caméra, na yende to sali mon salaro pour la première partie, il y a une mission à Bissou à Lelo, avant grand plateau, le avant Tosili Saneo et Tosala, ensemble le sous-souna président, bienvenue Bambali. Awa Tosali na bureau ya parti politique en vol et pas à mon amboka Delice Sanga, na yeto ko solo la, na artère politique, il y a mon nene amboka na Bissou Lidovic. Par rapport à l'électoral, où je pèse milinga lelo la classe politique na biso na mboka Congo et puis par rapport il y a machine à voter mon mboka Ludovic Mbote. Mbote papa. Tout lundi lelo na parti à chaud, tous au point de vue d'abord il y a yo et tant caractère politique par rapport à l'électoral. Voilà, merci beaucoup parce que oyena ici kana biso pour na kolobe la loi électorale. On a eu manifesté avec les députés Nyon sur l'opposition la fois passée pour comprendre vraiment que non, le pouvoir en place en utilisant toutes ces stratégies machiavéliques pour nous contrecarrer, bah, ils ont violé l'article 26 de la Constitution où ils allaient permettre de manifester pacifiquement. La loi électorale, ça viole même la Constitution elle-même. Ils allaient couper sa biseau, ma parti politique, le en vol dans ma parti politique, Moussoussou, impossibilité de se représenter en tant que candidat. On voit même que ça empêche même à ce que les candidats indépendants se représenter. Soit le Béli Marambou, il y a 1% ou il y a 3%. Vous comprendrez qu'il faudrait qu'un député indépendant, celui qui postule indépendamment, sans parti politique, puisse atteindre le seuil de 1% qui est totalement impossible. Donc on empêche même à ce qu'indépendant puisse avoir une candidature à la députation professionnelle. Alors on déplore ce comportement et on condamne ça jusqu'à la dernière énergie. Quels sont les côtés positifs de l'électoral Oyo et les côtés négatifs? Bon, il faudrait d'abord savoir qu'il n'y a aucun côté positif parce que déjà, depuis que M. Kabila a perdu sa légitimité le 19 décembre de l'année passée, tout ce qui se passe ici sont des actes machiavéliques, sont des actes dictatoriaux. Alors, on ne peut même pas parler des avantages ou des points positifs. Ce n'est que le point négatif, si je peux répéter. D'abord, les députés, la candidature à députation indépendante est carrément écartée. Les candidatures ne peuvent plus être indépendantes. Il n'y a que 4 partis politiques qui ont sauvé la carte à loi. On va citer le PPRD qui est de la mouvance politique, le MLC, l'UDPS et l'UNC. Mais il y a plus de 100 partis politiques ici. Alors qu'est-ce que l'on va faire de cela? Imaginez-vous que moi, par exemple, qui suis candidat à la députation nationale à Louisa, j'ai par exemple 20 000 voix. Je ne peux pas être élu à la députation nationale. Pourquoi? Parce que l'ensemble de voix de mon parti politique n'a pas atteint le seuil de 1%. Mais celui du PPRD, qui a 50 voix par exemple, il va facilement être élu nationalement. Pourquoi? Parce que l'ensemble de voix du PPRD, qui est un grand parti politique avec tous ses actes machiavéliques, atteint un seuil d'1%. Voilà les désavantages et c'est pour cela qu'on condamne cela. Nous avons marché avec les députés de l'opposition le jour où il y avait eu pluie, il y a eu un désordre terrible au niveau du palais du peuple parce que la police est venue nous intercaler. Donc la police a été commanditée de pouvoir arrêter les manifestations pacifiques parce qu'on réclamait notre droit de respect de la Constitution. Très bien. Monsieur Ludovic, votre point de vue par rapport à machine à voter?
Bon, la machine à voter, on l'appelle maintenant la machine à frauder. Il faudrait savoir que non, même si nous ne sommes pas informaticiens, nous avons quelques notions de l'informatique. Une machine d'abord électronique a une facilité d'être manipulée. Pourquoi ? Il y a un serveur central au Ezalana qui a été peut-être même déjà enregistré. Si je vous donne même un exemple de certains jeux de loterie ou de paris sportifs, quand un système est enregistré dans cette machine, il suffit que non, voté papi. Alors, la voté papi, mais dans l'enregistrement de la machine à voter, ezali ko voté Gelo. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà enregistré dans leur système Gelo. Alors, si on se dit de se mêler de cette affaire machiavélique, on risque encore de revivre la dictature qu'on a eu à vivre il y a plus de 57 ans. Alors, voilà, c'est pour cela que non, je lance un message à la population congolaise de prendre conscience de cela, de se lever afin que cette loi ne puisse pas passer. Et j'appelle toute la population congolaise à marcher massivement et pacifiquement le 19 avant le 31 décembre, la date à laquelle M. Kabila doit partir. Très bien. C'était un plaisir pour nous, Yaroya Maman Namboka Lidovic, par rapport à l'interview à Lelo. Maman Namboka Lidovic, le 19, opposition Mobimbaba a projeté marche. Est-ce que Ekosimba top Ekosimba tendance il y a les 30 et les Kaki? Mais effectivement, Ekosimba, pourquoi? Parce que nous sommes avec la population est derrière nous. Il faudrait savoir que non, Ekosimba, parce que la population veut le changement. Tellement que la population veut le changement, il faudrait qu'on se batte pour le changement. La population veut à ce que le pays puisse sortir de la crise, il faudrait savoir que la population est avec nous. Pourquoi? La population sait que l'accord de la Saint-Sylvestre signale à ce qu'il y ait élection avant le 31 décembre. Il y a un gouvernement mis en place pour nous conduire aux élections le 31 décembre. Et ce gouvernement-là a prouvé de son irresponsabilité et qui n'est même pas crédible à avoir un fonds pour organiser les élections. Alors, on considère que le 31 décembre, tout ne passe plus. Le 31 décembre, c'est la fin de tout. Le gouvernement part et automatiquement, le pouvoir en place tombe. Merci. C'était un plaisir pour nous, Yaroya Maman Namboka Lidovic. C'était une interview. Nous sommes arrivés à la fin par rapport à notre deuxième interview. Awande marche Salamaka. Bayimboka opposition Bazara toujours empêché. Na triomphal. Nenge Mwanamboka Lidovic à lobby. Bino le lope opposition en boko qui n'a régé. Bon, rejeter d'abord publication à calendrier électoral. L'électoral, bon, rejeter Yango. Yango, est-ce que Boko fume la porte d'un référendum, t'es Mwanamboka Lidovic? Mais au fait, si je veux parler en tant que communicateur et Envol, l'Envol, à travers Deli Sessang, a proposé un calendrier alternatif. Ce calendrier-là qui ramène les élections au mois de juillet. Pourquoi? Nous avons suspendu les 200 jours de l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Oui, Bandeko Seng a 200 jours. Nous avons même demandé une loi d'habilitation qui réduit le nombre de la répartition de sièges qui prenait 37 jours, qui peut être reconduit à 3 jours. Mais si on ne passe pas par des régimes, nous serons toujours soumis à cette dictature, à ce pouvoir machiavélique. C'est pour cela qu'on ne cesse de lancer des messages à la population congolaise pour que la population congolaise va tellement, va jouer conscience que le pouvoir en place est en train d'imposer une loi machiavélique et le peuple congolais, ils en a besoin. Yakubima, na mokum, na boumbu, onyo, sona, na souffrance, onyo, chotoye, merci. Comme une souka par rapport à l'interview de Salagi de Lola Mwanamboka Lidovic. Ciao. Congoli Panda. Oh. Congoli Panda. Congoli Panda. Si tu es Panamouka Congo. Jimmy Achuki. Azili Kanisi Yamalamu Ponako Sepelisa. Banambuka Congo, Congo Lipanda, Asali Libango, Congo Lipanda, Peningali. Bonakuye ba historia Congo, Landa Congo Lipanda.